Come and behold him, born the King of angels. Come, let us adore him. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau projet créatif. Je vous l'avais dit il y a quelques temps, cette vidéo est donc pré-enregistrée, tout simplement parce qu'avec la convention OnStage Stampin' Up à Vienne, l'organisation est un petit peu compliquée et je n'étais pas certaine d'être dans les meilleures conditions pour vous offrir quelque chose de correct en live, mais je suis sûre que vous vous rendrez compte que vous ne perdez pas au change. Je vous propose aujourd'hui un projet créatif qu'il aurait été peut-être un petit peu compliqué de faire directement en live. Donc vous allez avoir le temps de réaliser votre calendrier. Vous avez vu l'annonce auparavant, vous aviez la liste du matériel. Et là du coup, vous allez pouvoir réaliser un calendrier de l'Avent spécial thé que vous pourrez, pourquoi pas, offrir à quelqu'un de votre entourage qui est fan de thé. Je trouve que c'est un petit cadeau original pour attendre tranquillement Noël qui approche à grands pas, on est bien d'accord. Il n'est pas trop tard pour commencer, ni trop tôt d'ailleurs plutôt, pour commencer tous ces préparatifs pour proposer une belle fête, même si on n'est pas nombreux, mais au moins pour le plaisir de ce moment-là et de l'ambiance en fait que ça procure. Moi je trouve que c'est assez... c'est surtout l'ambiance que j'aime. Voilà, alors je vous propose de découvrir le projet tout de suite en images pour que vous ayez un aperçu global de ce que vous allez réaliser, d'accord? Et puis ensuite, on passera directement donc au pas à pas. Alors, c'est parti, voilà, on intervertit les caméras. Voici ce que je vous propose de réaliser. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire, c'est vraiment très agréable. Hormis le temps que peut prendre la réalisation des différentes pochettes, mais ça c'est propre à tout calendrier de l'Avent, vous en conviendrez. Le reste est très simple à fabriquer, à faire. La reliure, vous allez voir, est incroyablement facile à faire aussi. Voilà, vous allez voir que lorsque vous allez découvrir comment on la réalise, vous vous direz, waouh, c'est vrai, on voit pas, en fait, c'est incroyable. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc j'ai réalisé avec la collection Train du Père Noël, que j'adore, vraiment, elle est incroyable. Surtout en termes de colorisation, moi qui adore coloriser avec les Stampin' Blends, vous le savez. Là, du coup, je me suis vraiment éclatée avec. Vous reconnaîtrez à l'arrière, regardez-moi ce joli plioir de gaufrage. Vraiment, c'est juste incroyable. On a les beaux flocons là, autocollants. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment magique. Là, on peut vraiment, vraiment s'amuser dans les couleurs. J'ai fait des petits tests de colorisation où j'ai même colorisé mon sapin en bleu, en béguin bleu. Voilà, et je me suis dit, et pourquoi pas d'abord. Donc voilà, vraiment quelque chose de très simple, vous allez voir. Alors, je vais tout de suite l'ouvrir pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment très simple, mais très joli. Donc, dans chacune des pochettes, vous allez pouvoir insérer un sachet de thé ou de tisane. Voilà, là, vous en avez plein, vous allez voir, j'en suis sûre. Les petits chiffres viennent du 7... que j'ai complètement oublié le nom d'ailleurs tout de suite là maintenant, mais c'est pas grave, vous allez avoir sur mon blog la liste des produits que j'ai utilisés pour la réalisation complète de ce calendrier de l'Avent. Donc on est sur plusieurs pages, vous voyez, voilà, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le réaliser. Vraiment je trouve ça très sympa. J'ai pas mis beaucoup de déco sur mes petites pochettes, mais en même temps le papier est tellement
originale et avec tellement des beaux motifs que finalement, je me suis dit, ce serait dommage de trop le cacher. Si vous avez envie de mettre beaucoup plus de découpe, allez-y, faites-vous plaisir. Le but premier, c'est de se faire plaisir avant de faire plaisir à la personne à qui vous allez l'offrir, à moins que vous gardiez pour vous, hein, et pourquoi pas. Si vous ne voulez pas mettre des sachets de thé dedans, vous pouvez aussi, si vous êtes gourmand ou gourmande comme moi, y mettre des petits after-eight, vous savez, les petits chocolats carrés, chocolat et menthe. Moi, j'adore ça. Au moment de la réalisation, j'en avais pas encore trouvé, mais ça ne saurait tarder. Voilà, ça va rentrer dedans sans aucun souci. Voilà, voilà ce que ça donne. Vraiment quelque chose de très simple. Le papier, il est juste incroyable. Donc, je suis restée, en fait, dans les tonalités là, de ce beau rose pour notamment jouer avec la colorisation. Voilà, avec du macaron à la menthe aussi. Quelque chose de très sympa. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir, vraiment, c'est très, très facile à réaliser. Voilà, alors maintenant, je vous laisse tout de suite passer, bien sûr, à la réalisation de ce calendrier. Vous avez sur mon blog la fiche technique, la liste des produits, absolument tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce calendrier. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir vos créations. Donc n'hésitez pas à les partager sur vos réseaux, par exemple, ou même à me les envoyer en photo, pourquoi pas. Et puis, si le tutoriel vous plaît, n'hésitez pas aussi à le partager à vos amis. Ça sera vraiment très gentil de votre part. Voilà, je vous souhaite de belles créations et de belles préparations de fêtes aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao! Commençons par découvrir la magnifique collection que j'ai utilisée pour ce calendrier de l'Avent spécial thé. Vous l'avez reconnu, je suis sûre que vous l'aviez déjà repéré depuis longtemps. Train du Père Noël. Le papier design, il est juste magique. Voilà, on a franchement de quoi s'éclater. J'essaye de zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, les présentations. Donc, chaque carré représente recto à gauche et verso à droite. Et vraiment, il est trop cool pour Noël, ce papier. Vous trouverez toute la collection donc sur le mini catalogue, donc Train du Père Noël à la page 16. Donc on a vraiment en plus un set de tampons qui est juste magique, sans parler des poinçons qui sont coordonnés, on a un plioir, on a le galon irisé, des jolis flocons autocollants et tout le papier design. Donc le set de tampons, voilà, vous le voyez mieux ici, wagon de cadeaux. Il est vraiment trop cool. Donc là, pour la colorisation, il y a largement de quoi s'éclater, hein, sans problème. Et puis, l'avantage, c'est qu'il y a du coup les poinçons pour détourer les tampons donc, du wagon du Père Noël, notamment. On a une belle couronne. On a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment trop chouette. Voilà, je l'adore. Je l'adore, donc page 16 et 17 du mini catalogue. Donc c'est dispo jusqu'à la fin de l'année. Voilà, vous avez toutes les infos. Il y a vraiment de quoi faire de belles choses. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est du matériel dont vous avez besoin pour réaliser ce calendrier spécial thé, eh bien, vous aviez donc les mesures. Un petit peu avant sur mon blog, mais évidemment, je vais vous les redonner tout de suite. Alors, commençons dans un premier temps par les petites pochettes qui vont accueillir nos sachets de thé. Alors oui, hein, c'est un calendrier de l'Avent, donc beaucoup de répétitions dans nos gestes et dans pour ce qui est de la création, vous vous en doutez. Hein, je vous apprends rien, 24 fois la même chose. Courage, on va y arriver, mais en même temps, c'est que du plaisir, on est d'accord. Donc, pour les petites pochettes qui vont accueillir nos sachets de thé ou de tisane, bref, pour se réchauffer pendant notre hiver, il vous faut 24 morceaux de 17 par 9,5. J'ai choisi de prendre du papier uni et de décorer ensuite avec du papier design, mais vous pouvez tout à fait faire le choix
de découper donc le papier pour ces pochettes directement dans du papier design. D'accord? Ça, vous faites vraiment comme vous voulez. OK? Donc voilà. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de papier uni pour faire la reliure. Vous allez voir ça tout de suite, qui mesure 21 par 12,5. OK? Donc ça, c'est ce qui va nous servir à faire la reliure accordéon. Il vous faut aussi dans le même papier un morceau qui mesure 21 par 4 cm. Il est un peu trop loin, je vais le récupérer après. 21 par 4 cm qui va nous servir à cacher la partie accordéon. Vous allez voir, ça va être tout simple. Donc 21 par 4,5, mais vous aviez aussi les mesures. Ensuite, pour ce qui est donc des pages de ce calendrier, il vous faut d'abord 8 morceaux de papier uni qui mesurent 21 par 18. D'accord? Donc on va s'en servir pour à mettre sur les reliures et c'est là-dessus qu'on va coller nos petites pochettes de thé. OK. Et pour ce qui est du papier design concernant ces pages, il vous faut également 8 morceaux de papier, d'accord? Cette fois-ci du papier design, 17,5 par 20,5. Il est beau, vous voyez encore mieux là. Il est vraiment trop beau. Sachez qu'avec les poinçons que je vous ai montrés, vous pouvez découper certaines parties grâce aux poinçons découpés donc directement dans le papier design. Pour le gain de temps, quand on est un peu speed pour faire une carte rapidement, j'ai envie de vous dire, c'est l'idéal. Voilà, donc papier design 17,5 par 20,5, il en faut 8, donc ça va avec les pages. Et pour en venir à la déco de nos petites pochettes ici, il vous faut également 24 morceaux de papier design qui mesurent 7,5 par 7,5. Voilà, j'ai tout coupé avant. On a 24 pochettes, j'ai fait 3 fois 8. Voilà, histoire d'avoir un nombre pair. Bon, c'est mon côté un petit peu psychorigide, il y en a que ça va faire rire. Mais voilà. Trois papiers design différents pour ma part. Voilà. Mais vous faites exactement comme vous voulez. OK? Bien. Alors, je crois qu'on a à peu près tout. Et bien maintenant, je vais prendre mon coupe-papier et on va commencer ça tout de suite. Alors, la première étape, nous allons commencer donc avec la reliure en accordéon. D'accord? Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Nous allons commencer par marquer les plis. Donc, on va mettre le bord court en haut de notre coupe-papier. D'accord? Et ensuite, nous allons coller tout ça ensemble, en fait. D'accord? Alors, c'est parti. Le premier pli, il est à 1 cm. Bon, les premiers, c'est toujours les plus désagréables, mais on pourrait retourner, mais bon. Allez, on fait ça. Le premier, 1 cm. Le deuxième, à 2 cm. Trois et demi. 3,5, 4,5, 5,5, 7, 8. 9, 10,5 et pour finir 11,5. Tous les plis sont marqués. Alors l'avantage,
ou pas d'ailleurs, d'être que ce soit une vidéo enregistrée, vous pouvez suivre la vidéo en même temps que la fiche technique dans laquelle vous retrouverez les schémas, enfin le schéma en l'occurrence pour la reliure. Vous retrouverez aussi le schéma pour les petites pochettes qui vont accueillir les sachets de thé. D'accord? Donc vous avez déjà sous la main toutes les mesures de pli pour faire cette reliure. Alors, ce que l'on veut obtenir, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça sera l'arrière. Et ça, c'est l'avant. OK? Donc, à chaque pli, je vous indique si c'est une montagne, donc un pli qui vient vers vous, ou une vallée, un pli qui va vers le bas. OK? Et en fait, à la fin, on doit obtenir quelque chose comme ceci. Ce sont sur les plis ici, les quatre plis ici, que nous allons venir coller nos pages les unes avec les autres. D'accord? Donc, quand je vous disais qu'il fallait donc 8 morceaux de papier uni pour les pages de 21 par 18, je vous montre juste comme ça pour vous donner une idée déjà. Tout simplement, les deux morceaux, on n'aurait pu en mettre qu'un. D'accord? J'ai préféré en mettre deux simplement pour solidifier vraiment toute la structure. D'accord? Donc, je vais avoir ces deux morceaux. Et quand on va avoir collé, hein, ça c'est le gabarit, pas d'inquiétude. Les deux pages viendront se coller comme ça dans chacun des plis. D'accord? Ça viendra comme ça, en bord à bord à chaque fois. OK. Et comme ça, on pourra tourner nos pages. On a ici suffisamment d'espace pour l'épaisseur de nos pochettes. OK. Et donc, on viendra mettre du papier design donc sur chacune de ces pages recto verso. OK? Voilà. J'espère que d'avoir vu ça, ça vous aide à comprendre le principe de ce que l'on va faire, d'accord? Alors, maintenant qu'on a marqué les plis sur notre papier pour la future reliure, on veut obtenir ceci, d'accord? Donc, alors tout simplement, on part d'un pli, peu importe lequel, hein, le premier. Ok, le premier pli est en montagne. D'accord? Donc c'est un pli qui remonte vers vous. Le premier pli est en montagne. Donc, je vais m'aider tout de suite de mon plioir. Toc, 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 toc. Voilà. Donc le premier pli est en montagne. Le second est en vallée. Donc je viens le plier comme ceci. Voilà. Je m'aide au fur et à mesure, hein, de mon plioir, comme ça, les plis seront mieux marqués. OK? Donc, mon premier pli est en montagne, il vient vers moi. Le second est en vallée, il va vers la table. Le troisième pli, donc la troisième ligne, est également en vallée. Donc, comme ceci, vers la table. Voilà. Ok. C'est bon, vous arrivez à suivre. Donc je répète, le premier pli ici, il est en montagne, il vient vers vous. Les deux plis suivants, donc le 2 et le 3, en vallée. Le quatrième est en montagne. Donc lui, hop, je viens le plier en haut vers moi. Je marque bien les plis les uns après les autres, comme ça c'est plus facile. Ok, on commence à avoir quelque chose qui prend forme. Le cinquième pli et le sixième, 5 et 6, sont en vallée. Donc à nouveau, toc, vers la table, vers le bas, ça fait un creux. Voilà, le 5 et le 6 sont tous les deux en vallée. Ok, le 7 en montagne. En fait, vous aurez peut-être compris, remarqué que c'est une répétition à chaque fois des différents plis. Ok, le 7 est en montagne, donc le pli
vers moi. Pour finir, celui-ci est en valet vers la dame. Hop. Et le dernier sera en montagne. Là, je vérifie que je ne me suis pas trompée. Tac, tac, tac. Donc, c'est bon. J'ai bien ce que je veux obtenir pour venir coller mes quatre pages dessus. OK? Vous devez avoir quatre plis qui sont en montagne, donc vers vous, d'accord? Et qui vous serviront à positionner vos pages. Ça marche pour vous? OK. Alors, on se doute bien qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Là, on est sur l'arrière, d'accord? Donc, là, je préfère aller doucement pour les reluire parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est pas forcément évident. Donc, ici, c'est l'avant, d'accord? L'intérieur qui va servir à coller les pages. Je retourne cet ensemble, d'accord? Et le principe, en fait, va être de venir coller les morceaux de papier les uns avec les autres ici, d'accord, pour solidifier tout ça. Donc si je pars de la droite ici, là et là, on va mettre de la colle ou du double face et coller. OK? On va rejoindre également ces deux parties-là ensemble. D'accord? Donc ça va venir vraiment se coller comme ça. Idem pour cela, on vient coller toutes les parties vallées en fait. D'accord? Et également pour cela ici. Alors si je vous approche un peu ça, voilà. Donc j'ai bien retourné mon papier, d'accord? Donc je vais venir coller ici toute la longueur pour que ça soit collé. Dans le trou ici, là, la vallée, pouf, je vais mettre de la colle ou du double face et je vais coller ensemble. Pareil pour le creux ici, d'accord? Et pareil ici. De ce fait, on va avoir vraiment chaque partie qui va être bien resserrée, d'accord? Et on aura des emplacements égaux pour pouvoir venir coller nos pages. OK? C'est clair pour vous? Bien. Alors, je viens coller tout ça et on continue juste après. Donc, voilà, j'ai collé donc bien tous mes plis, toutes mes vallées à l'intérieur. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Tout est relié. Donc c'est nickel, ça va pouvoir tenir sans problème. OK? Tout à l'heure, nous viendrons coller donc la fameuse bande dont je vous parlais tout à l'heure qui fait 4,5 par 21. D'accord? On ne va pas coller tout de suite, hein. Okay. On viendra le mettre ici. Ça nous permettra tout simplement de solidifier encore plus cet ensemble, d'accord? Puisqu'on est d'accord qu'il n'y a pas de couverture cartonnée. D'accord? Donc ça va maintenir tout ça. Et bien sûr, on mettra un morceau de papier design aussi pour que ce soit beaucoup plus joli. OK? Eh bien, bravo, vous avez réussi à faire votre reliure. Félicitations. Maintenant, on va passer tout de suite à la création de nos petites pochettes qui vont servir donc à accueillir nos petits sachets de thé. Alors, je vous montre ce à quoi va ressembler votre future pochette. Voilà, comme ceci. OK. Donc si je prends mon post-it que vous voyez mieux, voilà, on mettra le sachet de thé à l'intérieur. Ça marche? OK, on va faire ça. Vous allez voir, c'est très simple. Et c'est la partie la plus longue, pas la plus compliquée, mais la plus longue, puisqu'il va falloir reproduire ceci 24 fois. D'accord? Donc c'est très simple. Je vous montre tout de suite. Je reprends donc le coupe-papier, je reprends le papier uni, donc qui mesure 17 par 9,5. OK. Je vais positionner mon papier avec le bord long en haut et je viens donc faire tout simplement deux plis, donc c'est assez rapide, hein.
Le premier est à 8 cm. Le second est à 16 cm. Si vous avez donc le coupe-papier Stampin' Up, sachez que 16 cm se trouve exactement au pli, à l'intersection, là où se touchent les deux règles. D'accord? Donc 16 cm. Je retourne mon papier pour venir faire un pli sur le bord court à 8 cm. Voilà, ce sont les seuls plis que vous aurez à faire, mais il va falloir répéter cette opération de pli 24 fois. Alors, je répète, sur le bord long, 8, 16, et sur le bord court, 8 cm. D'accord? Bon, vraiment, rien de compliqué. Je viens, toc, marquer tous les plis. On s'assure que ce soit bien droit et bien aligné, ça sera plus joli à la finition. Toc. Je viens marquer le dernier petit pli ici. Voilà. Et là, on va venir donc couper. Alors, pour qu'on soit bien tous coordonnés et qu'on fasse bien tous la même chose, ce que je vous montre là. Donc, on a le petit pli ici qui est sur notre droite, d'accord? Et l'autre petit pli qui est en bas. Tout simplement, on va venir se séparer de ce rectangle ici, d'accord? Et du petit qui est ici, en biseautant bien sûr comme d'habitude. D'accord? Donc j'ai bien le petit pli sur ma droite, hein? Donc je viens. Donc je vais biseauter tout de suite comme ça. Voilà, et je me sépare donc de ce grand rectangle qui se trouve ici. Tac, voilà, et du petit qui est ici. Donc pareil, je peux tout de suite biseauter là et biseauter là. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Et tac, je biseaute ici aussi. Voilà. Donc là, vous avez ce que l'on doit obtenir. Au moment où vous allez fermer, si vous voyez qu'il y a un petit truc qui accroche, vous voyez, ça s'arrondit un petit peu, vous pouvez venir couper un petit millimètre, mais vraiment un demi-millimètre même, d'accord, sur cette partie-là pour être moins embêté. Okay. Et ensuite, on viendra donc coller les petits plis, mais à l'extérieur. D'habitude, c'est vrai qu'on met les plis à l'intérieur, mais là, on va bien les mettre donc à l'extérieur. D'accord? Puisque de toute façon, les pochettes vont être collées comme ceci à plat sur notre papier design. D'accord? Donc là, je vois que je n'ai pas assez coupé, donc je vais recouper encore. Ça correspond vraiment à 1,5 mm. Voilà. Bon, j'aurais pu prendre le coupe-papier, hein, ça aurait été plus logique, mais de toute façon, bon, si c'est pas très droit, c'est pas grave, puisque ça ne va pas se voir. C'est magique. Toc, toc et toc. OK? Alors, avant de venir faire une petite ouverture, je vais tout de suite coller mon papier design. Quand je parle de la petite ouverture, cette petite arrondie que vous voyez là, c'est pour faciliter hein, l'appréhension du petit sachet de thé. Alors, je viens coller un morceau de papier design, donc je vous le rappelle, 7,5 par 7,5. D'accord? Donc, on fait bien attention hein, de l'endroit où on le met, que ce soit bien sur la bonne face, évidemment. Alors, j'enclenche mon truc. Tac. Voilà. Donc, j'ai bien les plis à l'arrière. Voilà.
Je viens coller mon papier design. Et du coup, comme ce n'est pas collé, ça va être plus facile de faire ma petite perforation ici. Donc, si vous n'avez pas de perforatrice ronde, vous pouvez aussi prendre un poinçon, par exemple, mais vous pouvez aussi le faire à la main au ciseau. Toc, il n'y a pas de problème. J'ai fait un peu plus large que j'ai fait l'autre. Ah, il faudra peut-être que je l'agrandisse un peu, mon trou, du coup. Parce que là, j'ai fait vraiment la moitié. Donc, du coup, vous l'avez en direct. Voilà. Du coup, c'est beaucoup plus gros. Ok. Donc, maintenant que cette perforation est faite, je vais pouvoir venir donc coller mes plis. Donc là, on fait attention. On va bien venir mettre la colle à l'intérieur du pli et pas à l'extérieur. Hein, parce que du coup, on les rabat sur l'arrière de la pochette. Toc. Voilà, donc là, je peux la refermer comme ceci et comme ceci. Et voilà, on a nos petites pochettes de thé. Donc là, eh bien, vous répétez l'opération 24 fois, d'accord, pour, eh bien, pour toutes les petites pochettes. Ok, alors, on va continuer et passer maintenant à nos pages. D'accord, je fais un petit peu de ménage. Donc, on a bien nos petites pochettes. On a notre reliure qui est prête. Voilà, ok. Maintenant, on va s'intéresser à nos pages. Première chose à savoir pour les pages, c'est que vous allez avoir votre page de présentation. D'accord? Donc, faites bien attention à votre choix de papier. La page de présentation, elle sera donc ici, hein, sur la gauche. D'accord? On aura bien la deuxième qui va venir là. Ok, on va venir les coller comme ceci dans le pli. Ok. Donc pour ce qui est de la première page et de la dernière page, on ne met pas le papier design tant qu'on n'a pas mis le ruban. D'accord? Faites bien attention à cela. Choisissez aussi tous vos motifs pour savoir dans quel sens vous voulez les poser. Donc là, il suffit juste d'accrocher les pages. Alors, sachant que là, notre reliure n'est pas fixée à l'arrière, que nos plis sont encore mobiles, vous pouvez sans aucun problème poser vos pages tout de suite. Voilà, aucun souci là-dessus. Je vais les accrocher, je pense, avec le double face ou avec de la colle. En fait, hein, il n'y a pas vraiment d'importance. De toute façon, ça sera aussi maintenu par les pages. Ok? Alors, bon, je vais prendre ça parce que je trouve pas mon. Je viens mettre tout simplement donc de la colle, du double face ou du stamp pencil, que sais-je, sur tout le petit pli. Je fais attention à ma tête pour pas vous la coller sous le nez. Tiens, arriverai-je au fond de mon rouleau? Ça, c'est possible. Voilà. Donc là, ça dépasse un peu. Donc je le rabats vers l'intérieur. En même temps, c'est pas très grave. Et je viens coller ma page sur le pli. Donc, on fait attention de bien aligner en haut et en bas. Tac, c'est parfait. Voilà. Et là, du coup, on va coller partout. D'accord? Donc là, on fait bien attention que la page donc, soit bien alignée avec le reste, avec le pli, mais aussi avec l'autre morceau de feuille. Bon, après, il sera tout à fait possible de recouper un petit millimètre si vous voyez que vous avez un petit millimètre de rab. Ok, ça marche? Vous avez compris le principe?
Alors, je colle ça tout de suite. Voilà ce que l'on obtient une fois que toutes nos pages donc, sont accrochées à la reliure. Donc, je vous rappelle, on a accroché, on a collé deux par deux nos papiers unis, d'accord, qui nous servent à faire nos pages. Voilà. Et du coup, on va pouvoir venir coller nos papiers design et nos petites pochettes. Donc, encore une fois, on attend avant de coller la couverture, tout simplement parce que nous allons mettre un morceau de ruban tout autour qui va nous servir à maintenir fermé tout l'ensemble, d'accord? Et du coup, ce morceau de ruban qui passera notamment sur la tranche sera caché par notre fameuse bande de papier de 4,5 par 21. D'accord? Donc ça fera un maintien supplémentaire de tout ça et vous voyez, ça va être caché. Donc ça va devenir encore plus joli que ce que ça n'est déjà maintenant. D'accord? Voilà. Donc, pour le coup, lorsque vous avez votre ensemble comme ça, il suffit simplement de venir prendre votre ruban, de marquer la moitié et de venir le coller donc tout autour. OK? Ensuite, vous pourrez venir coller votre papier design qui, je vous rappelle, mesure 17,5 par 20,5. D'accord? Donc ça viendra comme ça sur chacune des pages. OK? Donc ça sera ma première. Je vais m'en mettre tout de suite. Donc ma deuxième page. Alors j'en avais sélectionné un ordre bien précis et tout. Voilà, je vais mettre celui-ci. Voilà, je vais coller mon papier design ici. Du coup, ça met super bien en valeur le papier design. Alors, je crois que je suis en fin de tube de colle. Voilà, c'est ce que je disais. Toc. Je peux venir coller ici mon papier. Voilà, nickel. Tiens, j'ai ma colle qui s'est sauvée. Donc ça, on le reproduit sur chacune des pages. Ça ressort quand même super bien, je trouve. D'accord? Et ensuite, eh bien, tout simplement, une fois que toutes vos pages seront recouvertes de papier design, il vous suffira simplement de venir coller vos petites pochettes par 4, d'accord? 4 pochettes par page. OK. Donc, on ne colle pas les pochettes trop près l'une de l'autre comme ceci, parce que sinon ça va être compliqué et moins esthétique pour l'insertion donc des sachets de thé. OK. Et voilà. Et on en met 4 par page. D'accord. Et du coup, vous aurez tout ce qu'il faut pour mettre les 24 petites surprises. Alors, je parle de sachets de thé, mais ça peut aussi être des petits chocolats type After Eight. Voilà, quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, je pense que potentiellement, on peut peut-être en mettre 2 à tester. Hein, mais ça peut être pas mal. Voilà pour l'essentiel du projet. J'espère que vous allez prendre du plaisir à réaliser ce calendrier de l'Avent sachet de thé. Bien sûr, avant de couper la vidéo, je vais vous remontrer le projet terminé pour que vous puissiez vous faire une réelle idée à nouveau de ce que ça donne. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, sur ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous remercie de votre compréhension pour le fait que cette vidéo soit pré-enregistrée. Et vous trouverez, bien sûr, sur mon blog, comme d'habitude, tous les éléments dont vous aurez besoin. Donc, vous allez retrouver cette vidéo, bien sûr, mais vous trouverez également, comme d'habitude, la fiche technique avec toutes les mesures ainsi que les schémas. Et vous trouverez également la liste des produits que j'ai utilisés pour cette création. Donc, bien sûr, on parle du papier design. On parle également des tampons et des poinçons pour la déco.
Et je vous laisserai deviner et trouver par vous-même d'où viennent ces petits chiffres que j'ai utilisés pour cette création aujourd'hui. Ça sera votre petit défi post-live. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera plaisir et qu'elle vous sera utile. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la page ou à la chaîne. Retrouvez tous les liens dont vous avez besoin en haut de la publication sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube, donc en bas. N'hésitez pas à vous abonner, à enclencher les notifications et la petite cloche, notamment sur YouTube, pour être informé des prochaines vidéos. Et on se retrouve en live la semaine prochaine, lundi à 10h30. Ciao, ciao tout le monde!